Chaque année, on monte à Québec pour fêter la Saint-Jean-Baptiste avec la famille Beaulieu. Hey, c'est Benoît et Suzanne! Ah! Ici, on joue un jeu de cartes que j'ai jamais vu ailleurs. Ça s'appelle J'achète. J'achète! Ah! Écoute donc, c'est à qui de jouer, là? Quand ça stagne, c'est Paul. Ça a l'air que ça va mieux avec vos traitements de radio. Mais hein, je bande plus. C'est pas raisonnable. Là, là, t'es à retraite, fait que tu fasses attention à ton budget. C'est beau, un baptême. Qu'est-ce que tu dessines, des femmes à poil? Non, des filles tout nues. En haut de la deuxième étoile, il y a une petite étoile que personne ne voit jamais. C'est l'étoile de maman, puis de moi. Allô, maman, ça va pas? C'est peut-être que bientôt, il va être trop malade pour que tu t'occupes de lui tout seul. Pourquoi tu l'en dis pas? Je veux pas perdre mon père. Maman, c'est quand la fin du monde? Comment ça va ce matin, Monsieur Beaulieu? Je suis mourant, baptême. Oh, pop, on se levait du pied gauche? J'ai pas besoin d'une petite grosse pour me faire le service. S'il y a une affaire qui tolère pas ici, c'est qu'on insulte les bénévoles. Tu peux pas te comporter comme un président de compagnie? Paul, tu peux me dire-tu? Tu joues? Tu fumes du pot, toi, pour le fun. Ils lovent merde! Ils vont me faire mourir d'amour, ces enfants-là. En allant à Québec cette année-là, j'étais loin de me douter que ça allait changer ma vie. Bon alors Stéphane. Oui, bon, Audrey. Déjà, on est content de vous retrouver. Bonjour. Vous nous aviez fait bonjour, une petite infidélité. Oui. Ces dernières semaines. Bonjour à tous. J'ai l'air mignon et tendre. Ah, c'est bien plus que ça. C'est un bien. Film qui a le parfum de vérité, Claude Lelouch. C'était vos mots. Je les ai empruntés, j'ai écouté le plateau d'avant et c'est un film qui devrait vous plaire parce qu'il y a quelque chose de Henri Janson derrière tout ça. Vous rappelez ce grand dialoguiste et scénariste du cinéma qui va dans votre propos. L'avenir du cinéma sera au fond des encriers. Alors là, ce n'est pas au fond d'un encrier, c'est derrière le stylo. Eh bien, d'un dessinateur. Est-ce que vous connaissez Michel Rabagliati? C'est une figure importante de la bande dessinée québécoise. Avec cet album, eh ben, il a obtenu le prix d'Angoulême en 2010, prix du public. Angoulême, c'est un peu le festival de Cannes de la bande dessinée. Et qu'est-ce que fait François Bouvier? On va citer le nom du metteur en scène. C'est important, défendons les metteurs en scène. Monsieur Claude Lelouch, eh ben, il filme ce que Rabagliati dessine, c'est-à-dire la vie dans sa simplicité, dans ce qu'elle a de plus sobre et dans ce qu'elle a de plus complexe. Paul à Québec, vous l'avez vu sur la bande-annonce, c'est une chronique de famille face à la mort du père. Il y a presque quelque chose qui pourrait nous faire penser à l'état de nos démocraties dans cette petite allusion. Mais ça, c'est un autre film qu'on est en train de vivre en ce moment. Paul à Québec, eh ben, ça pourrait être un film de Claude Lelouch. Pourquoi? Parce que c'est la vie tout simplement dans ce qu'elle a de plus heureux et dans ce qu'elle a de plus difficile à surmonter. C'est-à-dire essayer de nous familiariser avec notre propre idée de la mort, essayer de transformer Thanatos en Eros, en pulsion de vie. Et en regardant ce film, j'ai pensé à cette petite séquence de François Truffaut, la femme d'à côté, Fanny Ardant, Gérard Depardieu. Fanny Ardant, elle est alitée, hospitalisée, Gérard Depardieu vient lui rendre visite. Il est un peu gauche, maladroit, il lui change les piles et il lui dit bah, « je suis content que ça aille mieux et que tu t'intéresses aux informations ». Et elle dit « non, moi, je n'écoute pas les informations, j'écoute les chansons ». D'ailleurs, plus elles sont bêtes, plus elles disent la vérité. D'ailleurs, elles ne sont pas si bêtes parce que qu'est-ce qu'elles disent? Eh bien, aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Voilà ce que pourrait être un peu la morale de cette histoire. Paul à Québec, et puis vous pourrez faire la comparaison avec la bande dessinée. C'est pour vous, Claude Lelouch. Hein. Et un petit peu aussi pour les gens qui nous regardent. Aussi, mais prenez pas trop de place dans notre salon. Merci beaucoup, Stéphane.